Bon allez, on y va. J'ai lancé l'enregistrement, il y aura peut-être une vidéo sur YouTube. Voilà, je vais peut-être en faire une rediff sur YouTube. Écoutez les Crows. Rebienvenue sur Pinview Drive. 10 ans après. Nouvelle partie. La fameuse intro avec le... La femme en blanche dans les bois, là. Votre partie est automatiquement sauvegardée tous les jours du jeu. Alors, dans le jeu, pour ceux qui connaissent pas Pinview Drive, il y en a peut-être qui connaissent pas ce soir, c'est un jeu d'horreur où on arrive dans un espèce d'énorme manoir. Et voilà. Et là, c'est le premier jour. En fait, il y a 30 jours dans le jeu. Il y a 30 jours dans le jeu. Et il faut qu'on arrive à aller jusqu'au 30e. Voilà, il faut réussir à... Et tous les jours, il va se passer un truc. Tous les jours, il faut trouver une note. Et si on trouve cette note, elle va nous faire passer au jour suivant. Tu commences une journée, tu cherches la note dans le manoir, tu trouves la note, on passe au jour suivant. Et plus les jours passent, et pire ça va être. Et plus il va se passer des trucs chelous. Bon bah voilà, hein. On y est les croisins. Les corbeaux, le panneau, tout y est. Rien n'a changé en 10 ans. It's been a long time since we were here together. Ah, ça fait longtemps, mon gars. It's a rumor that nobody has survived here for more than 30 days and years. D'après la légende, personne n'a réussi à survivre ici plus de 30 jours. What happened to Linda back then? First, I should find a way into the house. Oh, ça fait bizarre les crosses bordel. Alors Pinview Drive, c'est ça aussi, c'est il faut trouver une clé pour chaque porte. C'est-à-dire que toutes les portes sont verrouillées et c'est une clé, une porte. Oh là là. I must try to find a clue. Eh ben on y est. Oh, ça fait tellement... Je vais me répéter pendant le live au moins 1000 fois. Mais je vous jure que ça fait bizarre. Ce jeu, je l'ai vraiment dans mon cœur. Vous imaginez pas à quel point. Je sais pas pourquoi. Avec les bruits de cordes. T'entends la corde qui fait... Salut Super I. Ah oui, il y a des batteries. C'est vrai qu'on a une lampe torche à un moment. Et il faut trouver des piles. J'avais oublié ça. Bon. Et on avait l'heure en direct, regardez. L'heure, elle bouge en live. Ça, c'était bien foutu aussi. T'as un cycle jour-nuit. Genre, la nuit tombe très vite dans le jeu, regardez. On arrivait, il faisait jour. Et là, regarde, coucher de soleil. Il fait bientôt nuit, déjà. Bon. Eh ben, écoutez, c'est parti. Coucou, toi. Alors là, on a l'électricité dans le jeu. Par contre, je me souviens un moment, il y a un jour, on l'aura plus, les creuses. Il y a un jour, on n'aura plus d'électricité. On va être plongé dans le noir, dans le manoir. Je vous présente un peu le manoir, les creuses. On fait un peu le tour du propriétaire. Oh, une clé. Parfait. Et elle, je me souviens... Alors elle, il y a 10 ans, j'étais mort de peur parce qu'en fait, sa tête, elle bouge. Je vous jure, là, ses yeux, ils regardent vers la fenêtre. Tu vas repasser le jour 4 et elle aura plus la même tête. Et c'est que des trucs comme ça tout le temps. Genre le manoir, il vit. Une clé.
Ok, on a deux clés. Oh, des allumettes. Ça aussi, très important, va falloir allumer les bougies parce qu'il va faire très noir. Donc, économiser bougies et piles. Regardez, regardez ses yeux. Les creuses. Ses yeux, ils ont bougé. Elle regardait vers la fenêtre tout à l'heure. Regarde là où elle regarde. Elle regarde par là. Attends, ses yeux, ils viennent de bouger en direct ou quoi, là? J'avais pas vu ça il y a 10 ans. Oh là 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 là. Une heure. 5 du matin. Et en fait, ce jeu, ce qui est cool aussi, Écreux, c'est que plus le temps passe dans la nuit, plus il va se passer des dingueries. Genre au début, tout est toujours calme. Et après, la lampe torche. On l'a. Parfait. Bon, maintenant, on économise la lampe. Parce que on n'a pas beaucoup de batterie. Les piles, là. Parfait. Et il y en avait d'autres, je sais plus où elles sont. C'est là. Ici. Tac. Voilà, là on est bon. Oula, oula, ça a encore changé ici. Il y a quelqu'un. C'est peut-être vraiment une femme de ménage, les crousins. Ils ont peut-être vraiment mis les chaises sur la table. Première note. It looks quiet. I remember. That's what I wrote last time. Tout semble calme, je me souviens que j'avais écrit cela la dernière fois. Premier jour effectué, les crousins. Jour. Jour 2. Vous savez quoi? On va aller dehors. On va profiter qu'il fasse jour pour aller se balader dehors et on va voir notre ami l'épouvantail. Il est là-bas. Il est là-bas, l'épouvantail. Le voilà. Alors lui, je peux vous dire... je sais plus quel jour... Je sais plus quel jour sur les 30, mais je peux vous dire qu'il y a un jour où il sera plus là. Hein. Il sera plus là. Il aura bougé, les creusins. Il est terrifiant. Mais c'est une dinguerie. Regardez, il fait déjà nuit, putain. Allez, on rentre. Il est beau quand même, le jeu. Ouais, ça va. Il vieillit pas trop. Il débruite pas. Il débruite pas, il débruite pas, il débruite pas. Il débruite pas. C'était pas les miens. Hein. Allez, go. Il débruite pas juste derrière moi. Allumette, je prends. Il y a trop de bruit chelou dans ce manoir. Ok, on a fini le jour 2. Ah, je prends les piles là. On a fini le jour 2. Ok, parfait. We enjoyed a nice day at the sea. We were awakened by noises in the night. I didn't find anything now. Compliqué. J'ai mis ma chemise, j'ai un peu froid. Ok, troisième jour. Toshikro, j'ai cru voir un visage sur le tapis devant la cheminée où il y a les chaises vertes. Arrête, putain. Mais tu sais qu'au moment, à ce moment-là, il y a... J'ai entendu des bruits de pas. Hein. Eh, je prends pas la maison, les crousins. Je sais pas ce que vous dites dans le chat, là. J'achète pas la maison. Vous êtes fous, quoi.
Mais qui voudrait de ce manoir? Vous êtes des zinzins, vous, hein? N'empêche, un mystère n'est toujours pas résolu. Où sont les cordes? On les entend, mais on ne les voit pas. Je me suis toujours posé cette question. On entend des bruits de cordes tout le temps, mais on n'en voit pas. Il n'y a pas de pendu, il n'y a pas de... Tu sais pas d'où elles viennent, les cordes. Enfin, les bruits. Jamais je vis dans ce manoir. Hein. J'ai plus beaucoup de piles. On va recharger. Hop. Par contre, quand on recharge les batteries, ça fonctionne bien. C'est très très clair. Hein. What? La porte? Hein? La porte a disparu? Pardon? À l'aide! La porte, messieurs dames? Eh, je tiens à dire qu'on est qu'au troisième jour. Hein. On est qu'au troisième jour, il y a déjà des portes qui disparaissent, les crozes. Hein. Oh putain. Ah, oh, elle m'a laissé une clé. Je prends. Ok. What? Elle, c'est de pire en pire son visage. Hein. Mais moi, je prends ma caisse et je fous le camp, les gars. Je prends ma caisse et je fous le camp. Ok, nickel. Attention. Vous avez déjà 10 allumettes. Ah! Je peux pas en prendre plus de 10? Bon, enfin. Une clé. C'est quoi ce bruit? Quoi? Quelqu'un a éteint les bougies? Je rallume les bougies. Oh putain de merde. C'est bon ça. On va monter. Yes. Yes. We heard more noises last night. Once again, I was unable to learn the cause. Encore des bruits cette nuit, mais toujours impossible de déterminer l'origine des bruits. Jour 4. Garde des piles un peu, non. Bah là, des piles, j'ai 3 traits, ça va. J'ai 3 piles, donc on est bien. On est pas mal, là, en termes de piles. Allez, let's go. J'apprécie trop quand il fait jour dans le manoir. En fait, le manoir de jour, je pourrais peut-être y vivre. C'est la nuit où ça va pas. Une petite grenouille. Un petit crapaud. Bon. Jour 4. Les musiques, l'ambiance sonore de ce jeu, elle est folle. Hein. Et si mes souvenirs sont bons, les crocs, c'est derrière cette porte-là que se trouve le clown.
Je crois que c'est là, la première fois qu'on le voit, je crois que c'est derrière cette porte. Donc dès qu'on l'ouvrira, eh ben on verra le clown. L'un des clowns les plus terrifiants que j'ai vu dans tous les jeux de ma vie. Hein. Il était horrible. Lui aussi, putain, regardez. Non mais regardez lui. Comment il est horrible. Ah oh, putain, c'est pour ça que j'aime ce jeu. Ah, c'est pour ça que je kiffe ce jeu, putain. Bon, les crows, leçon du jour. Ne plus jamais s'approcher d'une statuette. Putain, il y a encore un bruit de corde juste à côté de moi. Regardez sa tête, elle est redevenue normale. Ok, on s'approche plus des statues. Oh, on a toqué, on a sonné à la porte. Les crows, on sonne à la porte du manoir. J'y vais. Il y a quelqu'un qui toque. Oui, bonsoir. J'ai pas commandé de pizza, hein. Je m'en serais souvenu. C'est le plombier. C'est le plombier. Je vois un truc blanc là. Je peux pas regarder à la fenêtre. Moi je fais toujours ça chez moi. Vous faites ça aussi chez vous? Genre si vous avez des fenêtres, quand on toque chez vous, moi je regarde toujours à la fenêtre avant. Bon. 3, 2, 1. Je prends ma clé et je me tire. Et je fous le camp. Bon, c'était peut-être... Non, c'est... Je sais pas. La voisine? C'était peut-être la voisine, hein. Bon, normalement, ça doit ouvrir cette porte. Ouais. Ah, et là, on arrive dans une autre partie de la maison, en fait. D'accord. Ah, et là, par contre, je me souviens plus du tout. Là, pour le coup, j'ai plus aucun souvenir. Ah ouais, là, non. Là, les crows. Là, ça se complique. Oh la vache. Il y a une clé, là. Des piles. Parfait. Merde. Fermé. Demi-tour. Là, peut-être. Ouais. Alors, en haut à gauche, je crois que c'est ma vie. Mais je comprends pas pourquoi j'en ai perdu. Peut-être ma santé mentale, la barre verte, là. Je sais pas. Bonsoir. Oh, la note, elle est là. Putain, on a fini le jour 4. Nickel. Le jour 4 est terminé. Ok, go. Linda was sure that some of the furniture had been moved since yesterday. Linda est convaincue que des meubles ont bougé depuis hier. Je pense qu'elle se fait des idées. Non, moi je pense pas. Je sais pas qui a choisi la tapisserie, mais c'est de très mauvais goût. Oh oui. Bah après c'est dans le thème quoi. C'est dans le thème horreur. Si t'as envie que chez toi ça fait peur, tu mets cette tapisserie. On fait tous une colocation là-dedans, les crows? Vous seriez chaud? Chacun prend une chambre? Alors moi je prends elle. Ah non, 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 non. Qui prend cette chambre là? En vrai. Attendez, viens, on le fait aller. Qui prend celle-là, les crows? Ah! Eh, moi je la prends pas. Eh, moi je la prends pas. Non mais, personne la prend là. Eh, je crois que personne voudra de cette chambre. Hein. Quoi? Coucou Anaïs.
Oh la vache, le jumpscare dans le miroir dès le début, quoi. Ils sont sérieux? C'est vrai qu'il y a les tableaux aussi, putain, on fait pas gaffe, mais regardez. Les portraits. Il faut virer le miroir, ouais. Si tu vires le miroir, il y a moyen. Moi, j'aime ce style baroque. Faut aimer, hein. Surtout avec ce genre de photos au mur, faut aimer les crosses, faut aimer. J'ai tellement envie d'ouvrir cette porte et de voir le clown. Elle va nous coûter cher en rénovation, peinture et déco. Ouais. Ah, va falloir tout détapisser, je vous le dis. Hein. Si vous voulez vivre là-dedans, on détapisse tous les croisants. On garde pas cette déco, c'est mort. Et la première qu'on va jarter, c'est elle. La première qu'on dégage, c'est elle, les croisants. Elle dégage. Hein. Ou alors vous la prenez dans votre chambre, vous en faites ce que vous voulez, moi je veux pas l'avoir. Hein. Je ne veux pas l'avoir. Il est déjà 22h, tu te fous de moi. Il est déjà 22h. Ching. C'est quoi ça? Oh! Oh! Il y a des épées qui sont tombées? Bah alors? Attends, ça a failli me décapiter ces conneries là. J'ai failli être décapité là. Wow, il y a tellement des bruits chelous. Pas pourquoi je reviens ici. Il y avait une porte qui était bloquée là. Merde! J'y ai cru. Il y en avait une autre là. Ouais! Ok. Let's go. Ok. Parfait. On a fini. We had a small thunderstorm. At times like that, this big house can get pretty creepy. Ce manoir me donne la chair de poule dans ces conditions. Ah, il y a eu une tempête? Non! Oh non, c'est le jour de la tempête, on n'aura plus d'électricité. Oh non, c'est le 6e, je crois. Je crois que c'est le 6. Ah, c'est le 6! Il y a l'orage! Non! C'est le pire jour! C'est le pire jour! Il y a l'orage dehors! Ok. Là, le jeu commence. Ouais, tempête dehors, on va perdre l'électricité, je me souviens. Oh, fais chier. Bon. Tout va bien, les crocs, vous inquiétez pas.
Ça va le faire. Alors, dans mes souvenirs, faut aller voir l'épouvantail. Je me souviens que épouvantail orage, il s'était passé un truc. Oh là 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 là. Mettons du George Michael dans ce manoir. Oh, c'est quoi ça? Y'a un truc qui vient de casser là? Quelqu'un qui me jette des assiettes. Oh là 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 là. Clé. C'est ça, ça je m'en souviens. Ok. Je me casse. Bon, va falloir refaire la déco de dehors aussi, hein. C'est pas fou, moi. Allez, vite, 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 je veux rentrer. J'aime pas être dehors quand il fait de l'orage comme ça. Vite! Ok, nickel. Wouh! On a toujours l'électricité. Oh non, 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 non. Ça, c'était un bruit suspect de... Bzz, bzz, bzz. Genre, ça va péter. Non, non, les fusibles, restez... Eh les fusibles, faites pas les cons. S'il vous plaît, hein. Pas maintenant. Oh là là, je le sens mal. Y'a des enfants maintenant? Y'a des enfants maintenant? What? Oh! Y'a quelqu'un sur la balançoire? Y'a quelqu'un sur la balançoire? On va voir. On va voir la balançoire, go. Bordel de merde. Alors, que se cache-t-il ? Sur cette balançoire. Elle est où? Elle est là. On fait gaffe. Une clé? Y'a rien? Ah là aussi, y'a une clé. Ok. Allez, on se casse d'ici et très rapidement. Y'a des piles ici, au cas où. J'essaie de me mettre un peu plus dans le noir, attendez. Ouais, c'est peut-être mieux. Je me plonge dans le noir, les creuses. Il reste une heure de live. Allez, soyons fous. Ok. Nous revoilà à l'intérieur. Pour le meilleur et pour le pire. Ok. Thank you.
Qui avait vu des lits superposés? Ah mais oui, c'était là où on s'est arrêté. Attendez, c'était où? C'était où? C'était là, je crois. C'était là. Ah, c'est ça. C'est bon. Bonsoir, mademoiselle. Enchantée, Toshikro. Je suis venu ici il y a 10 ans. Et vous étiez déjà très ravissante. Et 10 ans plus tard, vous l'êtes toujours. Incroyable. Allez, des piles, une clé, c'est parfait. Merci beaucoup. On se revoit dans 10 ans, du coup. Voilà. Une fois tous les 10 ans. On se revoit en 2034. Ça vous va? Allez, on se casse. Il y a des choses qu'on voit qu'on n'avait pas vu la première fois. Oui! Ouais, bah genre la meuf sur la balançoire. Je l'avais pas vu ça, la première fois. C'est là, c'est la première fois que je le vois. Oh là, non. Attends, on m'a enfermé? Quoi ce bordel? Oh putain, le pst. Oh putain, le pst. Oh, je l'avais oublié, lui. Vous avez entendu? Ça, la première fois, ça m'avait terrorisé, les Roseleux. Dans les oreilles. Et ça, pareil, tu sais pas qui c'est. Mais il te le fait vraiment à l'oreille. Et ça, ça, la première fois, c'était un enfer. Psst. Attendez. Oh putain, le clown! C'est le moment du clown. C'est le moment. Dix ans que je l'ai pas vu, putain. L'écran, je vais pleurer. Ouais, c'est le clown qui fait pst. Oh, je vais pleurer. Oh... Oh là 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 là, les émotions. Non mais alors lui, déjà donne-moi des allumettes là. Ah, je suis plein, t'as de la chance. Bon, et eh ben voilà le clown, les crozes. Je vous fais les présentations furtives. Bordel, t'as pas une clé, toi? J'ai plus les mots là. Hop. Bonne nuit, Justine. Ah bah bien sûr, Max qui bouge. Je t'ai dit, ils sont tous. Ils bougent tous ici. Hein. Par contre, dans mes souvenirs, cette porte elle s'ouvre. Pourquoi elle est fermée? On part loin dans le chat ce soir. Vous partez loin? Qu'est-ce que vous racontez dans le chat? Vous voulez scotcher ces bâtards? J'ai pas de scotch!
Bah ouais, c'est comme ça tout le temps, Romy, non? Je sais pas, dans le chat, vous partez toujours loin dans vos délires. C'est pas la première fois, quand même. Putain, ça devient grand, les crozins. En plus, on n'a pas de map. On n'a pas de carte. C'est-à-dire qu'on doit retenir, avec notre petite tête, chaque couloir de ce putain de manoir. C'est pas facile. Y a toujours de l'électricité, c'est étonnant. C'est étonnant. Ah ! Il y avait une clé ici. Je l'avais pas vu. Comme quoi, faut toujours très très bien fouiller dans ce jeu. Tiens les crozes, je profite que vous êtes nombreux, dites-moi maintenant, est-ce qu'on le continue? Vous voulez qu'on aille jusqu'à la fin? Parce que ce sera pas en un live. Hein. Je dirais que ça serait en 3 lives peut-être. Vous me dites hein, si vous voulez aller jusqu'au jour 30. Là on a la clé, ça ira beaucoup mieux. Le clown, c'était là. Là. En bas. Oui, continue, oui. Carrément, oui, continue, oui. Ce serait dommage de pas le faire en entier, oui, jusqu'à la fin. Pas besoin de poser la question, tu connais notre réponse. En vrai, ouais. En vrai, c'est vrai que j'ai posé la question, je savais que vous allez dire oui. Ok, les crozes, on le fera jusqu'à la fin. Promis. Bon, on a la clé. Alors, lui, on fait gaffe. Parce que lui, à tout moment, il nous saute à la gueule. Allez, hop. Et souvenez-vous aussi de sa tête. Genre là, il regarde vers... Putain, il est terrifiant. Hein. Il est humain, en fait. Il y a vraiment une tête d'humain. Il regarde par là. À tout moment, sa tête, elle tourne. Allez, go. Ok, on a fini. On a fini. Putain. Je crois que le jour 6, c'était le pire jusqu'à maintenant. Noises woke Linda again last. This time, I heard them too. Quite clearly. Jour 7. The Seven Day. Bah oui, c'est vrai que je vous ai promis d'aller jusqu'à la fin, les crozes. Pour les 10 ans, il faut le faire. En vrai, je vous jure, c'est un bon jeu. Hein. Après, c'est peut-être la nostalgie qui parle. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui connaissaient pas le jeu et qui voient ça ce soir. Je sais pas quel est votre avis sur le jeu. Mais pour moi, ce jeu, il a une âme, en fait. Après, il m'a marqué. Hein. Mais bon, je sais pas, ce jeu, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Bon, il y a toujours de l'électricité. C'est bien. J'apprécie. Qui pour dormir avec le clown? T'en as des questions comme ça, Max? Celui qui répond oui, c'est bizarre. Hein. Alors. Retournons voir le clown. Ah, il est toujours là. Ah. Excellent. L'épouvantail. Regarde, on le voit là-bas. Wow ! Ah, il y a un corbeau qui s'est cassé la gueule. Il y a un corbeau qui s'est viandé sur la vitre. Moi non, je suis pas chaud, non. Moi je dors pas avec le clown, hein. Alors là, jamais de la vie. Hein. Je vis avec un clown, mon papa,
Donc c'est bon, je passe mon tour. Un clown dans ma vie, ça me suffit. Ouais. Ouais, deux, non. Deux, ça serait trop. C'est un abonné. Il y a un abonné qui s'est craché sur la vitre. C'est très bizarre. Bon. Ah, il me terrifie, ce clown. Oh. Oh, 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 oh. Ça sonne. Y a un téléphone qui vient de sonner, les creuses. C'était là ? Non. Le téléphone sonne, mais je peux pas y répondre. Il avait oublié ses lunettes. Attendez, il y a un téléphone qui sonne. Oui, bonsoir. Ah, ça a changé. What? Il y avait un téléphone ici. C'est quoi ce bordel encore? Clé. Oh putain. Tout va bien. Ok, on a chopé une clé. Ces bruits de cordes, mon dieu. Dites-moi que le clown est encore là. Ah, oui. Ah. Je suis obligé de faire un coup de poète-poète à chaque fois que je passe à côté. Ok. Nouvelle porte. Allumette. Elle m'a fait peur, cette statue. Let's go. Crows have been circling the house. Their cacophony makes it almost unbearable to be outside. Jour 7 terminé. Jour 7 terminé. Oh non, il y a encore de l'orage. Non, mais non, il y en a eu un il y a deux jours. Casse les couilles là! Il y en a eu un il y a deux jours, les gars! Bon, bah là, on va perdre l'électricité. Hein. Et là, c'est mort, les creuses. Je crois que c'est le jour 8. Je crois que le jour 8, on va. Il y a un autre orage. Cette ambiance! J'aime. Le clown. Le clown, le clown, le clown, le clown, le clown. Allumette. Ah, je suis déjà plein, putain. Il y a un canard là.
Un petit canard. Ouais, je vous ai dit, t'as vu les musiques, comment elles sont oppressantes dans le jeu? C'est une dinguerie, hein. Oh, qu'il est mignon, le petit cerf! C'est un gentil cerf, ça. Ah! Non! Non! Oh non! Oh non! Non! Ils ont... Non! Non! Ça y est. Et là, c'est jusqu'à la fin du jeu. Là, jusqu'au jour 30, on n'a plus de lumière! Oh là 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 là. Putain. Et l'autre il rigole là. Il se fout de ma gueule cet abruti. Bon, et y'a plus de DF, y'a plus rien. Voilà. On a plus rien les Cruz. Oh! What? C'est quoi ça? Y'a un chat? Minou! Ah, il me donne une clé! Oh, c'est gentil! Oh, c'est gentil! Il m'a donné une clé! Par contre, je vois plus rien là, les gars! Il y avait un chat! On n'est pas tout seul! Ok. Let's go. Je suis jamais venu ici. Ah putain, c'est vrai qu'il n'y a plus de lumière. J'ai chopé le toc d'allumer les interrupteurs à chaque fois. Ok, ici on n'a rien. Là, il y a un étage. Là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Putain, ça devient grand. Ça devient grand. Ah, une clé. Il y a plein de piles partout. Ça, c'est cool. Ok. Ici. Ah! C'était quoi ça? Saleté de rat! Ratouné! Une clé! Yes! Putain, salle de bain est classe! Bon, il va falloir réparer le miroir. Hein. Il y a combien d'étages dans ce manoir de merde? Sérieux? Oh là là. Coucou. Oh, elle est jolie cette chambre. Ah, on est peut-être sur la meilleure chambre du manoir. Là, les Cruz déco sympa. Il y a pas de... C'est joli ici hein. J'aime bien cette chambre. Ah bah la note est là, tiens. Allez hop. She hardly dares walk past it. N'oublie pas les piles dehors. Mais tu sais, des piles, t'inquiète Max, je suis à fond. J'en ai 5. Donc je crois, niveau piles, on est très bien. Jour 9. En vrai, si on peut faire 10 jours par live, c'est parfait. Je crois qu'on va faire ça. On va faire 3 lives sur Pinview Drive. Chaque live aura 10 jours. Ça me paraît bien. Jour 9. Moi j'ai pris la jambe boîte à musique. Et tu sais, ce qui est marrant, Romy, c'est qu'à chaque fois qu'on commence un jour, je sais pas si vous avez remarqué, on commence toujours dans la chambre avec ça là.
On commence toujours dans cette chambre. Neuvième jour, les Crows. Pour l'instant, nous survivons. Tant bien que mal. J'espère que le live, il vous plaît en tout cas. Hein. Et merci d'être... Putain, je crois qu'on est un peu nombreux. On est 55. C'est cool. Ça fait plaisir. Salut le clown. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus d'électricité. Je peux même plus mettre la télé, putain. J'ai même plus le droit de mettre la télé. Ouais, ça va être compliqué sans... Ah, il y a une clé là. Ah non. Ça, je m'en sors plutôt bien, je suis content. On n'est pas trop bloqué. L'épouvantail, il est toujours là-bas. Il a pas bougé l'épouvantail. Tu t'es grave amélioré, je me rappelle que tu galérais à trouver les piles. Bah, hey, 10 ans d'horror game. Si je me serais pas. Si je m'étais pas amélioré, ça serait triste. Hein. 55 pour un vieux jeu, c'est beau. Bah, je crois que c'est aussi la nostalgie. Hein. Bon! Alors. Ah putain! What? Hein? Mais y'a plus d'électricité? Comment c'est possible? What? Je peux plus interagir avec la tech. Oh lolo! C'est quoi ce bordel? Y'a quelqu'un là-dedans? Elle m'a laissé une clé. Saleté, va. Va prendre tes cachets. Bordel. Je sais pas c'est qui elle, la fille en robe blanche là. J'ai jamais su qui c'était. J'ai jamais su qui c'était cette meuf. Hello! C'est Toshi, un vieux copain. T'es un vieux copain. Oula. Ah, on revient ici, d'accord, ok. Ah, une chambre d'enfant. Ah, qui veut la chambre d'enfant, les Crows? Elle est libre. Profitez-en, il y a un lapin. Et il y a un teddy. Il y a une plante. Il y a... un cheval en bois. Eh, sympa, cette... Oh, eh, même le lit, hein. Attends, regarde le lit. Tu peux carrément mettre des... un rideau comme ça. Je valide cette chambre. Qui la veut? On a chopé une clé. Qui veut cette chambre? Je vous la donne.
Ok. Encore une clé. Nickel. Pile, je suis plein. Oh, on a la note. Putain, parfait. Parfait, les crozes. Putain, encore une chambre. Oh, 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 oh. Chambre de luxe. Celle-là, je pense que je vais la prendre. Moi, je te la laisse, la chambre d'enfant. Ok, Max, tu la prends ? Lily, ah, Lily, t'as été la première. Ok, Lily, t'as la chambre d'enfant. Par contre, celle-là, c'est un lit double. Donc, celle-là, on la réserve pour le 14 février, les crozes. On la réserve pour la Saint-Valentin. Ok ? Parce que là, il y en a deux qui dormiront là, hein. Je vous le dis. Hein. Il y en a pas qu'un. Hein. Et pas de gâchis. Hein. T'as vu la taille du lit ou quoi ? On est sans électricité depuis la tempête d'hier. Encore heureux qu'il nous reste les bougies. La love room. On a trouvé la love room dans le manoir. Jour 10 ! Toshi et le clown. Ah putain, les enfoirés. Vous voulez ma mort, vous, hein. Je prends celle d'après. Ah, vous inquiétez pas, il en reste beaucoup des chambres, hein. On n'a pas tout visité, hein. Ah, ça m'angoisse qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas de... d'électricité. Ça m'embête. Un truc bizarre aussi, c'est que toutes les portes se referment derrière nous. Je sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui nous suit, qui ferme les portes derrière nous tout le temps. Ok. Toshi et l'épouvantail. Ah là j'aime bien. Au moins il y a un peu de paille. Et c'est confort, tu vois. Dormir sur de la paille. Donc dormir avec l'épouvantail, oui. Par contre c'est fou le nombre de chambres. Ouais. Ah tu t'y perds vite, hein. Puis t'as pas de map. T'as pas de... Tu dois te démerder, hein. T'as rien. Te démerde dans ce jeu. Le clown. Il est là. Le pouette-pouette. On l'a toujours pas entendu rire pour l'instant. J'ai envie de dire tant mieux. Il y a eu un bruit là. Hein ? Une clé. Ça devient glauque. Ça devient très glauque dans le coin. Faut arrêter les bruits, les mecs. Hein.
Calmez-vous. Ça, je prends. Ça, je prends. Clé. C'est tendu. Il a changé la direction de son regard. Arrête. Qui a dit ça? Max, t'es pas sérieux là? Le clown a changé de... Je l'aurais vu, non? Attends. On va aller voir. Ah! J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Putain, j'ai pas vu. J'ai fermé les yeux au même moment. Le clown... Attends. Le clown a changé? Attends. Vous avez raison. Sa tête, il regarde là-bas maintenant. Attends, il vient de la tourner là. Attends. Ouais, je crois qu'il a bougé, il a bougé. Ça y est, il commence à bouger. Il commence à s'articuler cet enfoiré. L'enfoiré. Non, Max, bien vu, t'as l'œil. Hein. Oh, il y a encore un étage, mais c'est pas possible. Attendez, c'est immense! Yes. I put the clown doll in the storeroom at Linda's request. Even I find it a bit creepy. J'ai changé la poupée de clown pour assurer Linda, c'est vrai qu'elle fuit la... Ah! Non, il a bougé de place! Attends. Il a dit, j'ai changé la place du clown parce que ça faisait peur à ma meuf. Mais du coup, il l'a mise où? Attends. On va déjà aller checker s'il est encore là ou pas. Il a rangé le clown. On sait pas où il l'a mis. Il l'a pris, il l'a bougé. On sait pas. Attends. Ah non, il est encore là. Ah, peut-être que c'est dans le jour d'après alors. Peut-être que c'est le jour d'après. Hein. Il est terrifiant. Ok, alors il y avait un étage ici. J'ai envie d'aller voir. On va explorer. Il y a tellement de portes, mon dieu. Il doit y avoir au moins 300 portes dans le manoir. Il y a quelqu'un. C'est elle? C'est la fille en robe blanche? Elle est assise? C'est bon, elle m'a pas sauté dessus. Elle m'a donné une clé. Bonsoir. Bon, tout est fermé ici. Mademoiselle. J'allais dire je reviendrai, mais. J'ai changé d'avis. Saleté.
Ouais, ma santé mentale est vraiment pas ouf en haut à gauche là. Ouais. Je suis en train de suffoquer. Je suffoque les crozes. Ouais, j'avoue, attends, il se passe quoi quand ma barre est vide? Je meurs? Peut-être que je vais mourir, hein. J'avais annoncé zéro mort pendant ce live. Mais au final... ça ne sent point bon. On n'y voit pas grand chose là. On n'y voit que dalle. J'ai remis une pile. Là on avait tout fait, ok. Je teste toutes les portes. Hein. Là on a tout fait. Très bien, on descend. Moi, ce qui me tue, c'est qu'il reste quand même encore dormir à l'intérieur vu ce qu'il a vu dans le manoir. Incompréhensible. Bienvenue, Kermito. C'est immense, hein, t'as vu? Là, clairement, je vous le dis, je suis perdu. Hein. Là, j'arrive à un stade où je déambule dans les couloirs sans trop savoir où je vais. Hein. On a une clé. Ça ouvre une porte. Maintenant, reste à savoir laquelle. Ah bah! Bah voilà! Il suffit de demander. Alors, un échiquier, très bien. Bon, bah les couilles. Oh, une clé. Cool! Ça va et toi, Kermito? Bienvenue. La porte est fermée. Trouvez la clé. J'ai plus de clé là, attends. J'ai plus de clé? Ah! Ok, il y avait une. Oh la vache, putain, je l'avais pas vu. Il y avait une clé près de l'échiquier. Ok. J'ai une question, dans la nuit, si je veux faire pipi, c'est où par rapport à ma chambre d'enfant? Tu dois traverser tout le manoir, à pied, dans le froid, pieds nus. Bonne chance. Ok. Nouvelle chambre? Non, pas du tout. What? Oula, il y a beaucoup d'horloges ici. Oh putain. Ah non. Putain. Tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac.
Oh putain. The old clown doll was back in its old place this morning. Oh! Linda swears she didn't touch it. I'll put it away again. On a la... On a... Oh non. Oh non. C'est encore pire que ce qu'on croyait. En fait, on pensait que le clown, le gars, il y avait pas touché, mais en fait, non. Il l'a bien pris, il l'a mis quelque part, il l'a rangé, et il est revenu. Il est revenu à sa place tout seul. Alors qu'on l'avait rangé. Ah, retournons à Pinview. Votre partie a été sauvegardée. Bonsoir. Pas le temps pour ces conneries. Allez, go. Alors. J'en connais un autre qui est souvent en retard. Ah, qui a été. Alors, si tu parles de moi, oui. Effectivement. Effectivement, c'est déjà arrivé que j'annonce un live à 21h et que j'arrive à 21h10. Ah, ça c'est bien. Ah, ça débloque le... Ah ! Attendez, on va aller le voir vite fait, lui. Il m'a manqué depuis hier, moi. Comment tu vas, BG ? Ah, Naibi, t'as vu, ça date, hein. Là, on est retourné 10 ans en arrière, là. 10 ans en arrière. C'est lui qui a fait ce bruit, là ? Ah, il y a une clé. What ? Il y avait une clé ici. Lol. Salut Max! Ok. Donc là, c'est un raccourci parfait. Évidemment que c'est de toi que je parle. Non, mais ouais. Non, on vient de commencer, Max. Là, vraiment, on est. On a lancé le jeu il y a une minute. De quoi, non, Lily? Pourquoi t'as dit non? Ah, pour répondre à... Des piles, je prends. Il y a des bruits trop bizarres, putain. Oh là là, oh là là. Qu'est pas ça? Ah, je peux plus allumer ma lampe. Il se passe quoi? Je dois jouer aux échecs. Dino, merci beaucoup pour ton abonnement. Attends, j'arrive. Je suis en train de faire une partie d'échecs avec un démon. Faut le souligner, hein. J'ai jamais su jouer aux échecs. Vous savez jouer aux échecs, vous ? Une clé. Du coup, Kino, merci beaucoup pour ton abonnement. Ton deuxième mois, merci, c'est très gentil, merci beaucoup. Trompette, attends, je les lance. Merci, Kino. Alors, on a chopé une clé. Une clé-clé. À l'étage, sûrement. J'économise mes batteries, les crozins. Si vous voyez rien, c'est normal. Hein.
J'économise. Là. Ah, une cuisine. Des piles, parfait. Des allumettes, je prends. Un bon steak. Ce qui est bizarre, c'est que ce steak est encore très rouge. Genre, on dirait qu'il a... Genre, il vient d'être servi. Il a pas pourri. Bizarre, ça. Une clé. Parfait. Y'a rien d'autre? Je me casse. Ouais, la cuisine sans frigo, ouais. N'importe quoi, ça aussi. Ah, là. Hello! Ok, on a la note. The yard was full of crows this morning. Il y a plein de corbeaux autour du puits ce matin. Linda a eu la peur de sa vie. Je les ai chassés en espérant qu'ils ne reviennent pas. Attends, le mec, il nous a chassés, là? On a été chassés? Jour 13! Comment va le clown? On n'est pas encore allé le voir, le clown, je crois. On va aller checker ça après. On peut même y aller maintenant. Hein. Attends, on va aller voir Pablo. Ouais, Pablo le clown, j'aime bien. Allons voir Pablo, comment il va? Ah... Coucou Pablo! Toi si tu m'as manqué. Mais oui, mais oui. Ok, Pablo va bien. Pablo est en pleine forme. Alors, on va retourner. Bah là où on a déverrouillé les portes. C'est-à-dire ici. Ok. Merde, c'était en bas. T'as appris quoi, Xelfir? Ah, ok, donc ici, y'a rien. Something seems to be happening in the yard outside. Ah, quelque chose se passe dehors? Attends, le mec il a dit quelque chose se passe dehors. J'entends des corbeaux. Bonsoir Bonnie, comment ça va? Attendez, j'entends des corbeaux là. Que j'entendais pas avant. C'est ça les corbeaux qui lui faisaient peur du coup. Oh! What? Attendez, mais regardez tous les corbeaux qu'il y a! Vous êtes tous là les crows, regardez! Vous êtes tous là! Regardez! Waouh! Non! Vous étiez nombreux là. Ils sont au-dessus. Ils sont là en haut. Est-ce que ça m'a donné une clé? Peut-être qu'ils ont donné une clé, hein, attendez. Les crosses, donnez-moi une clé, s'il vous plaît. Soyez sympa. Là! Oh putain! Oui, merci les crosses, merci! Ah, vous êtes des bons. Très bien. On a une clé. Ça c'est cool. Oh là là, on y voit que dalle. Hein. Ils ont tellement abusé sur la lampe.
Oh putain, ça m'a fait peur. Y'a une ombre là? Attends. Y'a une ombre sur le mur? C'était pas là ça? Hello? What? Y'avait une ombre sur le mur, ok. Très étrange. On a chopé une clé. Ah, bah c'est là. Bonsoir. Une autre clé, une bougie. What? Attends. C'est pas elle qui nous... Ou alors non, c'est juste Linda en fait. C'est peut-être notre femme ça, non? Attendez. Regardez les peintures, comment elles sont. Bon, on a rechopé une clé, c'est cool. Au revoir. On a déjà envahi la maison pour s'installer. Putain, vous êtes déjà là, quoi. La cuisine, on a fait. Ici, c'est ok. Faut aller en bas. Trouvons la porte, les creuses. Trouvons la porte. C'est un peu la phrase maîtresse de ce jeu. Hein. Trouve d'abord la clé, et ensuite trouve la porte. Ok. Donc là, ça n'ouvre aucune porte. Ah, peut-être elle? Non. Alors, je sais qu'ici, on n'avait pas tout fait. Cet étage-là. Bingo! Bonsoir. La note. I thought I heard a TV playing when I went to the kitchen last night. That's impossible. The power's gone. Ah, c'est Linda, hein. Ok. C'était Linda sur les tableaux. Jour 14. Votre partie a été sauvegardée. Si c'est elle, va falloir penser au divorce. Non, elle est jolie. Elle est jolie, les creuses. On va dire ça. La salle à manger. Jour 14, très bien. Est-ce qu'il y a encore des corbeaux? Ah, il y en a. Eh, hey, vous êtes. Eh, hey, regardez-les. Ils cherchent leur chambre là. Regarde-les, ils cherchent leur chambre. Eh, hey, mettez-vous d'accord, les croisants. Je dis ça parce qu'hier, on a eu un délire. Enfin, c'est parti dans un délire dans le chat. Genre, chaque personne dans le chat devait avoir sa chambre dans le manoir. Oula, j'entends un chien. Oula, là, là, là. Rentre. J'ai entendu un chien. Attendez, j'entends un chien. Il y a un grognement de chien là. Bah bien sûr, Naby, tu sais qu'on a trouvé une chambre avec un lit double. Une chambre immense avec un lit double. Et on s'est dit, celle-là, on la réserve pour le 14 février. Pour la Saint-Valentin. Salut, Bilux. Bon, j'entends un chien. Ah, ma santé mentale, elle est revenue à fond. Regardez en haut à gauche. Ça, c'est cool. J'entends un waf.
Y'a un chien dehors ou quoi? Ah, j'ose pas trop m'approcher s'il me saute à la gueule. Wow, 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 hey, il est proche. Une clé. Oui. Ok. C'est quoi ce bruit? Attends, c'est... Ils abusent sur les musiques, eux. Il y a eu un bruit bizarre. Ok, je vais recharger la lampe. Du coup, attendez que je me repère là. Ok, donc ici logiquement, on devrait pouvoir ouvrir une porte. Eh ben là, nickel. Bonsoir. La note est là. On n'a pas de clé. Linda and I wanted to take a look at the old cemetery, but its gate is firmly locked. Nous avons voulu visiter le vieux cimetière, mais le portail est verrouillé, tant pis. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un cimetière derrière la maison, on n'y est pas allé. Jour 15. Allez. Oh non, vous êtes plus là. Non! Ah, vous avez déjà pris votre chambre. Et y'a plus personne là. Y'a plus personne, les crosses, sudeg. Vous vous êtes enfui. On est dans nos chambres. Ce serait tellement énorme un manoir comme ça pour nous tous. Imagine. On divise le loyer par, je sais pas, 60-70, tu vois. Ben, ça revient à que dalle, hein. On le rénove et on vit notre meilleure vie. On va aller voir le clou-clown. Oh non, il est plus là. Il est plus là. Il est plus là. Il m'a laissé une clé. Il est plus là, le clown. Pablo. Pablo is gone. Non. Attends, parce que là, s'il est plus là, les crosses, ça craint de ouf. Hein. C'est-à-dire qu'il peut être n'importe où dans la maison. On est d'accord. Une clé. Attendez. Il est où, Pablo? Encore une partie de la maison, mon dieu, mais cette maison elle est infinie. Encore plus de portes. Oh. Mais c'est trop grand, les mecs. Ok, on revient là. C'était quoi ce bruit? Il est où, Pablo? Je vais à l'étage.
Il est où ce con? Oh, la note est là. Ok, cool. Oh, attends, parce que là, Pablo a disparu. Linda thought she'd seen strange lights outside last night. I think it was just a lighthouse off the coast. Hier soir, Linda a cru apercevoir d'étranges lumières dehors. À mon avis, ça devait venir du phare non loin d'ici. Ah, faut peut-être aller checker le phare dehors, du coup. J'aurais préféré qu'il reste où il était. Bah, comme tout le monde, je crois. Il se dégourdit les jambes. Arrête, Malo. Faut pas dire ça. Pablo t'attend pour faire un Scrabble. Eh, vous foutez de ma gueule, hein. Il est parti se coucher dans ta chambre, Toshi. C'est ton coloc de chambre. Tu vas voir le coloc ce que je vais en faire. Bon, eh ben, voilà. Il y a de l'orage dehors. C'est encore une fois la tempête. Et Pablo n'est plus à sa place. Et vous passez une bonne journée, vous? Ça va? Vous kiffez? Oh là 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 là, ok. Bon, faut que j'aille dehors, checker le phare. Vache. Ok, le phare est là. Putain, l'orage il est violent. Ok, le phare est là-bas. Des piles. Aller plus loin. Ouais, ça flash de ouf, hein. Et le cimetière, il est là, les crosses, regardez. Il est à gauche, là. Mais je crois que la grille, elle est fermée. Elle est là. C'est ici, regardez. Le cimetière, il est là. Mais on peut pas y aller. Bon, lui, il a toujours pas bougé depuis 15 jours, c'est très bien. Au moins, l'orage illumine bien tout. Ouais. Ouais, c'est clair. On y voit un peu plus clair. Putain, ça flash la gueule, hein. Encore des piles. L'orage me met pas bien. T'es pas le seul. Je crois qu'il fallait que je trouve une barque ici. Mais j'en vois pas.
dites si vous voyez une barque. Hein. Une barque, ça? Non. J'adore le bruit de l'orage, ouais, je sais, c'est bizarre. Bah non, t'en as qui s'endorment même avec des bruits d'orage. Rien d'inquiétant, t'inquiète. Pas de barque, il est censé y avoir une barque ici dans mes souvenirs, non? Bon attendez, je suis bloqué, je vais vérifier vite fait, parce que je sens qu'on va être bloqué 50 ans. C'est quel jour qu'on est là? Le 16? Pinview Drive, jour 16. Attendez. Le 16 ou le 17? Je sais plus. Lightning is so real. What is here before? Let's go. Oh, il en fait trop, le mec. Et à chaque fois qu'il y a un coup d'éclair, il gueule. Non mais oh, c'est quoi ce comédien là? Let's go. We inside, bro. Bro, almost got struck by this shit. Ok, il est censé y avoir une barque sur les rochers à gauche. Bah heureusement que j'ai regardé, j'aurais jamais trouvé. Attendez. Il est censé y avoir une barque quelque part ici. Oh bro, bro, what the fuck? Mais je vois pas de barque, c'est un truc de dingue. En même temps, on y voit tellement rien, bordel. On est bloqué par un mur invisible. Attends. Mais sérieux, elle est où cette barque? Mais c'est fou ça! Non mais c'est fou! On est perdu. On trouve pas la barque. En fait, le problème c'est que sur chaque vidéo de Pinview Drive sur YouTube, on y voit que dalle. Il fait noir de fou. Ah ok, alors. Mais what? Attends. This is chill. Attendez, Crozin, je me concentre. Là, il suit le cimetière. Bon, vous voyez rien, mais moi je vois, vous inquiétez pas. Old sailing ship, huh? I should probably explore. Ok, alors je vois, je sais où elle est, sauf que moi elle est pas là. Donc il y a peut-être un truc que j'ai pas dû faire avant. Parce qu'en fait, je vous explique, elle est censée être ici. Elle est vraiment censée être là. Et là, il est censé y avoir un énorme bateau. Ok, donc en fait, je tourne en rond depuis tout à l'heure, faut pas que j'aille là. Peut-être que je fasse un truc avant, je sais pas.
c'est peut-être un autre jour. Bah non, enfin, je sais pas, là, elle a dit, enfin, il a dit qu'il fallait aller au phare pour regarder et enquêter. Oh, il est là! Mais what? Le bateau, il vient d'apparaître! Mais attends, mais quoi? En fait, fallait juste que je rentre dans le manoir et que je ressorte. Regardez. Et la barque, elle est là. Elle est là, la barque. Putain, mais... Ok, je suis sorti trop tôt, en fait. Je suis sorti trop tôt. Du coup, c'était pas apparu. D'accord. Très bien. Si tu veux. Alors, du coup, il y a un bateau qui est là. Et cette barque, elle était pas là tout à l'heure. Quand même, ce jeu il est quand même ah, tu sens qu'il est vieillot quoi. Je sais pas comment dire, mais dans les mécaniques de jeu, genre faut rentrer dans le manoir et ressortir pour qu'un truc apparaisse machin. C'est un peu... Il y a plus de jeux comme ça maintenant je crois. Bon et ça me donne rien. Ah, il y a une clé là. Oh, il y a une clé, j'avais pas vu. Ok, on a la clé, on se casse. Quel enfer. Quel enfer. C'est bon. Salut Malice. Allez hop. Oh putain de vache. On s'entendait plus avec tous ces éclairs. Bon, on a une nouvelle clé. Nouvelle clé aujourd'hui. Une nouvelle clé aujourd'hui. Bordel. Ah, yes. Yes. Des piles. I'm beginning to feel that Linda might be... C'est bon. Je commence à voir et entendre des choses inexplicables. Sans blague, mec. Ça fait 16 jours que t'entends des trucs bizarres. Jour 17. Alors là, c'est parti, on y va. On va retourner là où on est allé, du coup. Pablo, on l'a pas revu encore, hein. Et à tout moment, il va nous sauter à la gueule, lui. On sait toujours pas où il est, Pablo, hein. Il est plus là. Il est plus sur sa chaise. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que c'est grand, putain. Ok, c'était... C'était là. Il y avait rien ici, il n'y avait pas de clé. Non, il n'y avait pas de clé. Ok. On va le croiser quand on s'y attendra le moins. Exactement. T'as tout compris. Alors attendez. Le violon, il a fait un bruit.
droite. Hep. Joue pas avec moi comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Une clé. D'accord. Merci, au revoir. Encore un truc chelou là. Encore récupérer une clé. C'est ma chambre. Putain, il est où ce clown de merde? Dès que j'entends un bruit, je crois que c'est lui maintenant. Tiens les crows, je vous l'annonce maintenant. Au moins c'est fait. Une fois qu'on aura fini Pinview Drive, nous commençons le let's play. Roulement de tambour. En mode hardcore. Resident Evil 4 Remake. Voilà. Je me suis décidé tout à l'heure. Donc dès qu'on a fini ça, on commence le RE4 Remake en hardcore. Voilà. Ce sera notre prochaine aventure. Bon, faut pas aller là. Bah attends, faut aller où là? Bande donnée. Alors attends. Non, l'alien c'est trop dur. Je suis désolé, Cross, mais Alien Isolation en mode cauchemar, c'est... J'arriverai pas. Il y a trop de contraintes, trop dur. Malheureusement. Ah putain, c'était là. Oh, une autre cuisine. Ah, là il y a un frigo. La note est là. Cool. Pas de clé. Ok. J'ai entendu Linda crier la nuit dernière. Elle jurait avoir vu l'épouvantail. Non. L'épouvantail? Non. Et encore de l'orage. En fait là ce qui devient chaud, c'est que le clown a disparu. On sait pas où il est. Il se balade dans le manoir. Et l'épouvantail là, on est en train de nous dire que il a été aperçu à une fenêtre. Donc là le jeu avec les jouets. Ah comment Poppy Playtime. Ouais ouais. Je l'ai pas fini Poppy. Attendez, l'épouvantail. J'ai envie d'aller voir le clown. Peut-être qu'il est retourné sur sa chaise. On va aller checker. Peut-être qu'il est retourné à sa chaise, t'abruti. Oh! C'est pas vrai. Il est revenu. Il est revenu, putain. Là, il y a un bruit.
Y'a un bruit chelou. Ça vient d'où ça? C'est toi? Qu'est-ce que t'as encore fait toi? J'ai pas du tout envie d'aller voir l'épouvantail, hein, je vous le dis. C'est la dernière chose que j'ai envie de faire là actuellement. Donc voilà. Wow, c'est quoi ça? Oh, y'a des traces de pas! Ça mène ici. Oh non, ça va vers le clown! Attends, pourquoi y'a des traces de pas là? Pourquoi y'a des traces de pas? On va les suivre. Ah là, une clé. Oui! Oui! Pablo et Marco vont être réunis. Arrêtez. Il n'y aura pas de réunification de clowns et d'épouvantail ce soir, je vous le dis. On va les prendre un par un et on va les enculer. Oh putain. Ok. Merde, j'ai plus de batterie. Oh putain. Il nous faut des piles là, ça craint. Faudrait que je trouve des piles parce qu'il m'en reste que 3. J'aime pas trop ça. Bon. On a trouvé une clé. Est-ce qu'il doit mener par là, je crois. Aïe. Ah yes. Bonsoir. Des piles. Oui. Une clé. Oui. Très bien ça. Allez, c'est parti. On est où là? Ah. Ok, c'est le raccourci pour le truc des plantes, d'accord. C'est quoi ce bruit? Putain, il y a encore une ombre. C'est quoi ce bordel? Ah! Putain de merde, saleté d'ombre! Mais va te faire, saloperie, va. Putain, j'ai eu peur là. Ok, on fera une partie de Scrabble. Désolé. J'étais un peu trop violent dans mes propos. Ça arrive. Ah, la note est là, putain. Ok, nickel. The old music box started playing of its own accord last night. I tried to turn it off, but couldn't. La vieille boîte à musique s'est mise en marche toute seule hier soir. J'ai essayé de l'arrêter, mais en vain. Quelle boîte à musique? Jour 19. Je devais mélanger mes légumes pour pas qu'ils crament et j'ai loupé le screamer. Dommage. C'était peut-être le seul jumpscare du live. Attends, il parlait de ça ou pas? Est-ce qu'il parlait de cette boîte à musique là? On va attendre la fin.
Ok. Bon, et bah écoutez, Croz, c'est parti pour le jour 19. On a des piles, on est bien. On est très très bien. C'est parti. Je connais le manoir par cœur, hein, c'est une dinguerie. Des piles! Ah bah je suis à fond, je peux pas les prendre. Y'a quoi? C'est vrai qu'on n'a pas checké ce frigo. Y'a rien. Hein. Y'a du pain. Une carotte. Ça donne pas trop envie. Hein. Marie-Antoinette! Attendez, je vous lis un peu. Tu vas te faire un torticolis à force de rentrer la tête dans les épaules comme ça? Qui, moi? Je rentre la tête dans mes épaules. Ça, c'est quand je suis trop... trop stressé. Bloody Mary. C'est plus important la survie de tes légumes. C'est vrai. Sachant que l'épouvantail va rentrer en jeu et que le clown commence à se mouvoir, pas sûr que ce soit le seul screamer du live. Très bonne déduction, ça. Du pain dans un frigo. C'est vrai que c'est... Les Croz, me dites pas que vous mettez votre pain au frigo, quand même. C'est bizarre, non? Ah, quand j'ai peur, ouais, quand j'ai peur, je remonte les... Ouais, bah oui. Je me crispe. Je me crispe. Fait un bruit bizarre ce frigo. Il y a plein de gens qui mettent les œufs au frigo. Quand j'étais aide à domicile, beaucoup le faisaient. Ah ouais? Mettre du pain au frigo? Oula, c'est quoi ce bruit? Ça venait de là? Ah! D'accord. Au revoir, merci. Cordialement le frigo. Eh, il m'a scié où là? Oh, il vient de crier. C'est son premier cri. C'est son premier rire. Il est là. Ce chien. J'ai des frissons, les Croz. Il m'a fait trop peur, putain. Bon. Je remets des piles. Peut-être qu'il faut y retourner, je sais pas. Bon bah Pablo bouge, hein. Pablo est vivant. Le clown est vivant. Oh non, il a disparu! Il est plus là! Il était là, il est plus là! Il était là! Et il est plus là! Vas-y, genre... Oh putain, ouais, c'est vrai qu'on a une clé. Attendez, attendez, on a une clé. C'est quoi ce bruit? Non, ça y est, là, il commence à faire mumuse. Tu fais mumuse, enfoiré? Ah, il commence à jouer à cache-cache, là, ça y est. Ah, ça y est, il commence à nous faire chier. Bon, on a une clé. Ah, c'est là. Allez, let's go. Bonsoir. La note est là. Parfait. Ok. When I awoke last night, I thought I heard children laughing in the house. J'ai été réveillé par des rires d'enfants cette nuit. Heureusement, Linda dormait à point fermé, sinon elle aurait paniqué. Ok. Des rires d'enfants, tout va bien.
Tiens, d'ailleurs, les grosses petites pauses, je tiens à vous dire que si vous aimez Pinview Drive, il y a un film qui date, hein, un film qui est vieux. Il y a au moins 30 ans, le film, je crois. Ça s'appelle Antiz. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, regardez-le. J'en dis pas plus. Le film s'appelle Antiz. Il est sorti dans les années 90. Regardez-le. Il est incroyable. Il m'a traumatisé, ce film, quand j'étais gosse. Bah d'ailleurs, dans Antiz, il y a des trucs comme ça, tu vois. Dans Antiz, ça, vous en verrez. Le hall comme ça, avec la... Le hall avec la... L'escalier comme ça, vous le verrez. C'est une dinguerie. Le truc bizarre que je mets au frigo, c'est la farine. Comme ça, j'évite le risque d'avoir des mythes alimentaires. Ok. C'est vrai, Kata, tu l'as en DVD ? Toshi, je connais ce film, j'ai... Xelfir, tu l'as vu ? Oui, Obscuritas aussi, c'était cool. J'adore ce film. Ah, Antiz, moi, il m'a marqué. Hein. Il m'a marqué. Putain, il a encore disparu. Hein. Il est plus là, le clown, non ? Il y avait des piles, mais je sais plus où elles étaient. C'est pas grave. Je l'ai en DVD aussi. Quand tu dis que t'as un film en DVD, tu sais que c'est un film ancien. Je l'ai en DVD. Après, tu pourrais dire je l'ai en cassette. Là, je l'ai en cassette, ça doit être des vieux films. Faudrait que je le revoie en tease. Catherine Zeta-Jones. Et dans Antiz, Catherine Zeta-Jones, elle est incroyable. Franchement, elle a son prime. Elle était magnifique. Ouais, Antiz, c'était quelque chose à l'époque, hein. Putain. Même les effets spéciaux et tout, waouh, t'es là en mode, mais what? Ouais, j'ai plein de souvenirs de ce film qui m'ont trauma. Le pacte... Putain, il y a une musique. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Elle était pas censée être dans ma chambre? Censée être dans ma chambre, elle. Le passage de la cheminée, putain, Kata, c'est horrible. Avec les chaînes. Les chaînes de la cheminée qui font ça, comme ça. Oh, j'ai envie de le revoir, ce film. Bon, elle fait mumuse, elle. Je l'entends plus. Ah si, je l'entends. Elle est là. La clé. Ok. Yes. Ouvre-toi. Oh, belle chambre. Belle chambre. Ah, il y a pas de bougie par contre. Ah si, là. On a une belle chambre là, hein. Lit double, parure en soie.
floral en or. I saw the scarecrow in the house last night too. Oh non! What on earth is going on? J'ai vu l'épouvantail dans le manoir hier soir. Mais dites pas ça les gars, putain. Pourquoi ils disent des phrases comme ça? J'ai vu l'épouvantail dans le manoir. Non! Mais non! Bon allez, on va aller le voir. Ça n'a que trop duré. On parle trop du... De l'épouvantail depuis le début. Notre femme l'a vu. Moi, je l'ai vu. On va aller le voir. Il a intérêt d'être là. Hein. Et je vous le dis. Hein. Il a intérêt d'être là. Je prends, c'est ma chambre. Ah non, les crosses, vous les avez déjà, vos chambres. Ah, il est là. Bon, la chambre en parure de soie dorée, je la veux. Hein. Je crois que c'est la mienne. Hein. Elle est incroyable. Bon, il est là. Il a pas bougé. T'étais dans le manoir hier? Y'a un truc à faire. Oh là là. Et même de dos, il fait flipper, putain. Jeepers creeper. Non. Donne-moi une. Il va. Oh putain, il y a des bruits. Ah ! Il m'a donné une clé, ce bâtard. C'est pas fini ? Attends, il me faut une clé, là. Là. Je me casse. Ok, jumpscare validé, jumpscare qui fait son effet, Toshi a eu peur, bien joué, 10 ans après, c'est toujours le même cauchemar. Allez, salut. Le bâtard. C'était tellement sûr qu'il allait bouger. Bonsoir mesdames. Ah, je préfère ça. C'est bien plus plaisant que l'épouvantail. J'aime beaucoup. Comment ça va? Ah, la note est là, ok. Est-ce que vous auriez des piles? Non? Pas de piles, ok. Linda can't stand it here. She wants to leave. We wanted to drive off this morning. The car wouldn't start. Linda n'en peut plus, on a tenté de partir ce matin. Mais la voiture a refusé de démarrer. On va devoir rester un jour de plus. Bon, ok, Xelfir, tu prends la chambre en soi. Allez, je la donne. C'est bon. Là, il reste... On est à quel jour, là? J'ai même pas vu les croissants. On est à combien de jours, là? C'est le 20 ou le 21? J'ai pas vu. Faut que je me détende, je suis trop tendu là. Ah putain. On est au 22e jour? Déjà? C'est le 22, d'accord. Ok. Bon, et eh ben on est déjà au 22.
Après, c'est un lit double, hein, Xelfir. T'as bien vu, hein. Parure en soie dorée. Des fleurs. Lit double. Je dis ça, je dis rien, mais c'est du gâchis de dormir seul là-dedans. Bon, t'as toujours l'épouvantail et le clown. Si jamais tu te sens seul, tu peux les inviter, je pense qu'ils viendront. Mais bonne chance à toi. Hein. Il est là ou pas? Putain, l'épouvantail, il est pas là. Les creuses, l'épouvantail, il est pas là encore. Hein. Sa mère. C'était quoi ce bruit? Putain, il était là! Il était là! Eh, mais lui, Non, je vais rien dire. Je vais rien dire, j'allais encore être vulgaire. Oh, putain, les bougies qui s'allument toutes seules ici. Non, mais d'accord. Oh, les bougies s'allument. Oh, il y a une ombre! Il y avait quelqu'un au fond du couloir là! Les bougies, faut suivre les bougies. Ok, les bougies s'allument. Il y a des bruits à l'étage, putain, c'est l'épouvantail. Elle, j'ai déjà vu, ça marchera pas. On l'a déjà eu ce jumpscare. Ok, l'épouvantail est à l'étage. Oh, une clé! C'est bon ça! Je suis tellement heureux de choper des clés dans ce jeu. Ok. Là c'est ouvert. Là c'est ouvert et là, fermé. Okay. Je prends. Neither of us slept last night. The noises in the house kept getting worse. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit, les bruits n'arrêtent pas d'empirer, tu m'étonnes. Faut être taré pour vivre là-dedans, je vous le dis. Dommage qu'on ait pas un briquet, ça ferait un bon petit feu. Ouais. Ouais, et tu mets l'épouvantail dedans et pouf, y'en a plus. Mais bon, on n'a pas de briquet. Eh bah putain, quel jeu quand même, hein. C'est fou de se dire que ce jeu a 10 ans. C'est fou. Oh, il y a encore eu quelqu'un qui est passé au fond, là. Je sais pas si... Oh, là. Ah, des piles. Yes. Il y a quelqu'un qui est passé là, trop bizarre.
Faut que je retrouve la salle avec les mannequins, c'était où ça? Avec les femmes là. C'était là, non? Merde, c'était où? Ah, c'est là. On n'a pas fouillé cette pièce tout à l'heure. Il y a peut-être un truc. Attendez, je vous lis. Faut des toilettes pas loin, touchy MDR. Je veux pas que je mette des chaussons. Ah, t'es encore sur tes chaussons d'hier? Mais tiens droit à tes chaussons. Oh putain. Il se passe quoi? Wow, calm down. Calm down. Je suis en couple. Faut leur dire ça hein, pour qu'elle fuit. Je suis en couple. Enfin, quoique, des fois, c'est l'inverse. C'est quand tu dis que t'es en couple que qu'il se passe des dingueries. Qu'est-ce que je dois faire? À l'aide? Je peux sortir ou pas? Ah non, je peux pas sortir! Elle me bloque le passage! Ah! Clé. La note. Oh, ça va, le jour il était court là. On a une clé, parfait. Des piles. Je les prendrai après. Linda suffered a nervous breakdown. I have to get her out of here, no matter how. Linda est à bout, il faut qu'on fiche le camp d'ici au plus vite. Jour 24. Et on avance bien, putain, et on a commencé le live. Attendez. On a commencé le live il y a une heure. On a fait 10 jours. 12 jours même. Jour 24. Allez, c'est parti. Il n'y a pas des piles ici. Il y a des allumettes, je m'en fous. Il n'y a pas de piles. Dommage. Yes. Ah, ça débloque un raccourci pour ici, ça c'est cool. Ça c'est les madames. Là c'est le raccourci. Là c'est un autre raccourci. Je vois plus rien. Oh, des piles. Oui. Merci. Il y en a encore là. Si jamais, on est très bien. Je commence à avoir mal au poignet là. Ça m'a trop tendu ce jeu. Là c'est toujours fermé. Putain.
putain de saleté de démon de merde. Je la déteste, je jure, je la déteste. Et débrouille pas. Elle a pas spawn une clé. Non, pas des araignées, pas des araignées les gars. Pas des araignées, s'il vous plaît. Je vais en rêver cette nuit. S'il vous plaît, non. Est-ce qu'elles m'ont laissé une clé? Est-ce que les petites araignées m'ont laissé une clé? Normalement. Elle fait pas chier l'épouvantail. Je te jure, l'épouvantail fait pas chier. Attendez, logiquement elle m'a laissé une clé. Là! Ouah, il faut les voir. Hein. Pouf. Ok. Nouvelle pièce. Oh, c'est joli ici. I remember a photo. There was something evil. I have to find it. Spider-Man. Putain, moi je peux pas les araignées, vraiment. Bah, comme beaucoup, je pense. Je crois que dans le chat, il y a au moins 95% des gens là qui regardent qui n'aiment pas les araignées. Et je crois que j'ai... Attends, je crois que dans ma vie, j'ai dû rencontrer une personne qui aimait les araignées, c'est tout. En 30 ans de vie, hein. J'ai aucun problème avec les araignées, sérieux. Arachnophobe de naissance, ouais, pareil. L'eau, porte-la bien. Ti. Je me souviens pas de ça. Faut ramasser des bouts de... Hein ? I've got to find the other pieces. Eh, j'ai aucun souvenir de ça. Faut que je trouve 5 bouts de photo ? Ah ouais. J'ai aucun souvenir de ça par contre. Ah, ça va peut-être être un jour un bout de photo, non ? À tous les coups. Va falloir trouver les autres bouts de photo. Ok. Bah pourquoi pas. On approche doucement de la fin du jeu. Bah ça passe vite hein. Salut Charles. Marie-Antoinette.
Ah bah d'accord. Eh, trop facile. C'est un let's play là. Comment on appelle ça? Merde, je sais plus. Bon bah et de deux. C'était le jour le plus court de... Ouais, un speedrun, c'est ça. Je suis en train de speedrun. Ah, attendez les crozes, je peux... Ah oui, putain, c'est vrai que je vous l'ai pas dit ça. Et ouais, et ça, il y en a peut-être pas beaucoup qui le savent, mais il y a un DLC de Pinto Drive où t'incarnes un homme sans abri qui cherche à s'abriter et trouve le manoir, mais c'est genre 30 ans après. Et le manoir, il est tout vieux. Il y a plein de toiles d'araignée partout, il est abandonné, il est totalement abandonné. Et du coup, on se réfugie dedans. Et on revient ici, 30 ans après, en étant un homme sans abri. Ça vous chauffe ou pas? Par contre, c'est un DLC qui dure une heure, hein. Il est court. Et au lieu de passer 31 jours, tu passes 10 heures dedans. Ça dure que 10 heures, ça dure une nuit. Ouais, c'est Pinview Drive Homeless, c'est ça. Si vous êtes chaud, bah on peut le faire. Hein. C'est un DLC du 1, c'est Pinview Drive Homeless. Voilà, si vous êtes chaud, vous me le dites. Le clown a disparu encore une fois. Le petit Pablo. Le petit Papou. Oui, je l'avais déjà fait homeless. Par contre, je l'ai déjà fait, mais j'en avais aucun souvenir. J'ai aucun souvenir de homeless. Ouais, c'est une sorte de suite quelques années après, ouais. Je l'avais pas fini homeless. Je sais que la vidéo elle est sur YouTube. Mais j'ai aucun souvenir de The. Donc pourquoi pas le refaire? Si vous êtes chaud. Bon là je vous avoue, je me suis un peu aidé pour les papiers, sinon bah... En fait ce qui était chiant, et c'est ça qui avait pris un temps fou, je me souviens avec le Let's Play à l'époque, c'est que... À chaque jour où il faut trouver un papier, bah comme ce qu'on est en train de faire, à chaque fois il faut refouiller tout le manoir. Et bah là ça durerait 4 lives quoi. Donc là je m'aide un peu. Je me suis un peu aidé. Bababoum, bambadoum. Chaud pour le DLC, en vrai ça serait top. Je crois qu'on les a tous fait les streamers du jeu là, Lou. Je crois que on a usé tous les jumpscares du jeu. Ouais, regardez l'épouvantail, il est pas là. Pourquoi je sors dehors? Moi je suis trop con. Pourquoi je fais ça? Il est pas là, regardez. Eh, je rentre. Oh putain, il était juste là. Ok, non. Eh, c'est bon, stop. Stop les gars, stop.
Putain, il m'a fait peur là. Ah, on a la photo, ça y est. On a la TOF. La poupée. Attends, de quelle poupée il parle là? Il parle de quelle poupée? Ok, on en a fini avec les photos, c'est nickel. Par contre, attends, il y a une poupée dans le jeu? C'est quoi ces conneries? Je dois trouver la clé du portail. Ah, je dois aller dans le cimetière! Je dois aller dans le cimetière, les grosses. Une poupée. Ouais, c'est celle que Linda avait dans les bras, ouais, mais on l'a jamais vue, cette poupée-là. Hein. Enfin, elle s'est jamais manifestée dans le jeu, quoi. Ouais, il y avait une poupée, c'est vrai, sur la photo. Vous êtes forts, les grosses, vous êtes forts. Ok. Ah, l'épouvantail, il est revenu à sa place. Très bien. Il est là. C'est ici. Ok, il faut qu'on trouve la clé de ce portail qui nous mènera au cimetière. Ok, très bien. Est-ce que l'épouvantail, tu sais où est la clé? La clé. On dirait que non. Marco rend les clés, c'est plus drôle là. Il casse les couilles, Marco. Il me manque le rire de mort du clown. C'est vrai que le rire du clown, on l'a entendu qu'une fois. Hein. On l'a pas recroisé depuis. Enfin, sur sa chaise, mais c'est tout, quoi. Oh, la petite musique en fond, on l'avait encore jamais eu. Il me manque le rire de clown. Ah, rire d'enfant. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh, oh, hola, que tal? Et hombre está muy bien. Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de visage, mademoiselle. Il vous manque un visage, mademoiselle. That must be the key to this. Oui! Oui! On y va. On y va! On va enfin débloquer le cimetière. C'était par là. Go. Encore de l'orage. Et il y en a un qui a dit ça dans le chat tout à l'heure. C'est vrai, genre le manoir il est placé dans un état d'un pays où il fait toujours un temps pourri. Hein. C'est peut-être le nord de la France au final. On est peut-être à Calais là. Hein. Ou Dunkerque, je sais pas. Ok, c'est là. Allez, go. Cimetière débloqué. Trouver la tombe de Linda. Trouver la tombe de Lily, de Dada, de Linda. Donc Linda est morte? Notre copine, elle est morte du coup. Pas bien. Ouah, il est énorme ce cimetière là. C'est là? In nomine Patri ex Filii Spiritus Sanctis. Ah, c'est elle.
se passe quoi là? Oh! What? Oh, il y a eu un passage secret! Ok, j'y vais! Ok. On rentre dans le sous-sol du bordel. Dernier jour. Allez, c'est parti, on se concentre. Parce que maintenant. Ça pue sa mère. Allez, go. Dernier jour. Alors, du coup, c'est la poupée qui a créé toute cette merde, c'est ça? C'est à cause d'elle? Bon, on va la tuer. Ça se tue, une poupée? Dans le film Annabelle, est-ce qu'elle meurt, Annabelle? Ou dans Chucky? Oh là là, oh là là! Attends, attends, ça sent le labyrinthe, là. Pas très doué en labyrinthe, moi, les gars. C'est pas un truc qui me fait trop kiffer. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Linda, t'es où, ma petite chérie? Oh, tata, bah voilà, il faut qu'on parle de toi pour que t'apparaisses, hein. Saleté, hein. Bon, je crois qu'on est sur le bon chemin. Je veux pas m'avancer. Je crois qu'on est bon, là. Oh, putain, elle est là. Elle m'a pas laissé de clé. Oh non. Merde. Il y a une porte mais je peux pas la... Il y a une porte mais je peux pas l'ouvrir. Pour info, la poupée Annabelle serait toujours dans sa prison de verre et purifiée par un prêtre tous les je ne sais pas combien... Ouais, je sais. J'avais même vu un TikTok où le prêtre il ouvre. Il ouvre la truc, il prend Annabelle dans les mains pour la déplacer dans un autre une autre cage. C'est des ouf, hein. Ouais, Annabelle, pas trop l'approcher, hein. Oh là, no way back. Oh non, je peux pas revenir en arrière. C'est quoi ces conneries? Ah, c'est bon. Des chiottes. J'aime bien les chiottes. Miam, miam, miam. Je regarde s'il laisse pas de clé, parce qu'on a déjà trouvé des clés dans des chiottes, hein. C'est déjà arrivé dans certains jeux d'horreur, c'est pas des conneries, hein, où tu trouves des clés dans des chiottes. C'est assez improbable, mais bon. Il doit y avoir une clé ici, c'est pas possible. Je fouille. Non? C'est bizarre, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, il y a toujours une clé qui pop. Bon. Au pire, on reviendra si... On reviendra si on l'a loupé. Allez, on continue. Il y a quelqu'un qui vivait sous le cimetière ou quoi? Regardez, il y a une cuisine là carrément. Oh, des piles, je prends. Trop bizarre là. Je continue d'avancer. Putain, c'est immense! Encore des piles.
débruite pas. Et débruite pas autour de moi. Ok, faut pas trop traîner, je crois. Go, 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 go. Encore Linda. Bonsoir Linda. Tu me laisses toujours pas de clé, t'es méchante. Méchante Linda. J'ai jamais vu un labyrinthe aussi labyrinthique. Ils ont craqué pour le dernier jour, hein, les développeurs. Ils se sont lâchés. Hein. Oh la vache. C'est immense. Gauche. Bonsoir. Oh, je sais pas où aller. Cul-de-sac! Non! Oh non, 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 m'emmurez pas! Pas d'emmurage, hein! Ils vont m'emmurer. Je vais finir emmuré, fin du jeu. Je vais finir emmuré. Non, c'est bon. Jouer avec nos nerfs. Bonsoir. Ça va? Oh! Alors toi, toi, j'espère que tu vas finir en enfer, mon gars. Ah, je peux plus faire pouet-pouet en plus. Ton pouet-pouet, il marche même plus. Oh putain, il vient de disparaître. Ok, on file. On file. Il y a plus de pouet-pouet. On a chopé une clé. La porte est fermée, trouvez la clé. Putain. Là. Ok, c'est bon. Let's go. On va y arriver les Crozes. Croyez en nous, comme je crois en vous. Ça veut rien dire. Oula. Hein? Quoi? Game over? Attends, c'est énorme, c'est mon premier game over du jeu. Non, je dois tout refaire. Non, je dois tout refaire. Non, je dois tout refaire. Non. Non. Pourquoi je dois... Pourquoi j'ai eu un game over là? La santé mentale était vide. Mais comment j'étais censé faire? Oh non. Les Crozes doivent tout refaire. Putain, on est arrivé au bout en plus, je crois. Bah comment je fais pour éviter les jumpscares aussi? Ils sont marrants, eux. J'ai pas compris. Tu as laissé ton perso récupérer de sa santé mentale? Mais comment je fais? Alors, les grosses questions, vraie question. Comment je fais pour récupérer ma santé mentale? Comment je suis censé faire ça? Regarde pas les screamers, regarde le sol. Ok, on va essayer. Non mais sérieux. Comment je fais pour récupérer ma santé mentale? Moi je veux bien, mais... Regarde pas les screamers. Putain, j'ai le seum, faut tout refaire. En plus on était trop bien quoi, on avait trop géré. On avait tout trouvé. Les boss quoi. Ça, je peux pas l'esquiver quoi. En fait faut que j'aille vite, non? Faut pas que j'aille vite. Là je peux rien faire.
Là, regardez, je suis déjà à la moitié, hein. Faut que je fasse quoi? Elle remonte toute seule quand tu laisses ton perso se calmer. Attendez, on check. Donc là, je cours plus, je fais plus rien. Il est toujours essoufflé. Ah. Sa respiration se calme. Par contre, la barre, elle augmente pas. Hein. La barre, elle augmente pas, les creuses. Peut-être faut que je trouve une bougie, non? Je sais pas. Pour récupérer ma... Je sais pas, les creuses. Écoutez, on va retenter, hein. Très bizarre. La jauge baisse trop vite. Je sais pas comment récupérer ma jauge. Je sais pas. On va essayer de faire attention, ok? Là, il y en a une là. Si, vas-y, je vais faire la moonwalk. Ah, ça a baissé, putain! Ça a encore baissé! Je suis à la moitié. Saloperie. Bon. Putain, pendant tout le jeu, cette barre ne nous a pas cassé les couilles une seule fois. Et faut que ça soit le dernier jour, au dernier moment du jeu, qu'elle nous casse les couilles. Chaud quand même. Bonne question. Bah les crosses, si vous pouvez regarder sur internet, parce que là je joue, c'est compliqué. Mais s'il y en a un qui peut, je sais pas, qui peut essayer de trouver ça. Bon, je vais quand même tenter, voir si ça refonctionne. Mais si jamais quelqu'un a du temps, je lui en serai très reconnaissant. Vous tapez sur Google comment récupérer santé mentale. InView Drive. Dans le let's play, tu étais mort au même endroit à cause de la barre aussi. Attendez, on va marcher doucement, on va se calmer. Oh là là, le psti m'a encore fait perdre. Faut écouter du George Michael. Vous êtes con. Ouais, c'est pas ouf la santé mentale, hein. Attendez. Merde! J'ai pas la clé. Elle doit être là. Une clé, les gars, là. Les crosses, ma santé mentale! Je peux pas esquiver les jumpscares, c'est impossible. Je vous jure, je peux pas. Je peux pas! Comment je fais, moi? Voilà, les rats, super, j'ai plus de santé mentale. Je n'ai plus de santé mentale. C'est la fin pour Toshi. Ah, faut pas que j'aille là. Va pas là, va pas là. La porte est fermée. En fait, si je rentre là-dedans, je meurs. Là, si je rentre là-dedans, j'ai un choc. J'ai un choc thermique. Ok. Ok, loup. En fait, je pense qu'il faut que j'aille là. Et faut que je récupère la clé, je sais pas où elle est, mais si je rentre là-dedans, je vais mourir. Donc, attendez.
J'ai pas de bougies. Je peux pas allumer les bougies, les crosses de soie. Les bougies, je peux pas les allumer. Hein. Pose-toi 2 minutes le temps qu'on trouve. Ouais. Ok, on va se poser 2 minutes. Faut rester près d'une source de lumière. Ouais, mais il y a aucune. Les crosses, on est sous un sous-sol. Sous un cimetière. Comment veux-tu que je trouve une source de lumière là-dedans? Bon, attendez. Si je rentre là-dedans, je meurs. Jusqu'à ce que ça passe. Bah ouais, mais lol. Je veux bien retenter, hein, mais je vais encore mourir, non? J'essaie de pas... Oh, il y a la clé. Oh! Oh, faut pas regarder le lit en fait. Les creuses. Oh, 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 le génie. Non. Non. Ma santé mentale. Nique ta mère. Il y a un bébé là-dedans. Je veux pas venir voir là. Quoi? Il y a quoi là? Meurs. Laisse-moi tranquille. Oh putain. Oh putain. Ma santé mentale, elle est au bord du gouffre là. Ok. Bon, si j'ai encore un jumpscare, je suis mort. Ma santé mentale était remontée pendant que tu tournais en rond. Ah, parce que là, ça craint de ouf, hein. Y a que la lumière qui pourrait aider pour ce que j'ai compris. Bon bah écoutez, prions. Oh putain. Oh non, 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 non. Bah je suis mort là. Elle est là. Je suis mort là, hein, si je passe. Je suis bloqué. Ah, tu aurais dû rester dans la pièce éclairée pour récupérer de la santé. Attends. Ça se tente. Donnez-moi de la santé mentale, lumière, s'il vous plaît. Augmentez ma jauge. Elle est remontée là? Non, elle a pas remonté, hein. Elle est toujours aussi basse, hein. Bon. J'ai réussi à finir ce jeu il y a 10 ans, comment j'ai fait? J'ai envie d'aller voir mon let's play d'il y a 10 ans là. Attends, je suis trop curieux, les crosses, vous allez voir. Attendez, si je tape Toshikro Pinview Drive. Elle est là la solution. On va se débloquer en regardant mon let's play d'il y a 10 ans. Est-ce que c'est pas du génie ça? Alors, Pinview Drive épisode fin. Voilà, épisode 15. De toute façon, je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici, s'il se passe rien. Je ne peux pas t'ouvrir. Oh, regardez, il y a des... Ok. What? Attendez. On va aller ici. Attendez, c'est là. Oh merde, il faut la clé. Allez là, vous voyez, j'avais raison. J'ai toujours raison. Alors, le gros boulet, en fait, avec ma webcam, j'avais mis ma cam en haut à gauche. Du coup, je vois pas... Je vois pas mon... Ma barre de stamina. Ok. Les couleurs sont... Oh, putain. J'ai pas le choix, hein, je dois la passer. J'ai pas le choix, les creuses. Le jeu, c'est ça, je dois la passer. Du coup, on y va, hein, tant pis, hein. Que sa mère. Hein.
peux pas faire autrement. Écoutez, il faut que je passe. Regardez ma barre. Regardez ma barre. Putain. Oh, démarrez la machine. Pour cela, trouvez les trois interrupteurs principaux. Ouais, mais mettez pas de jumpscare, les gars, parce que là, littéralement, je meurs. Hein. Alors, ils sont où les interrupteurs? Là. Et de 1. Regardez ma santé mentale, putain. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 960. Ah, il y a un code à 3 chiffres à trouver, ok. Des piles. Un code à 3 chiffres, très bien. Ah, je peux aller là? Ouais, mais putain, si je peux aller là, c'est qu'il y aura des méchants là. Là. Ok, 2. Pourquoi il y a des machines? Je comprends rien. Trouver le dernier interrupteur, ok. Les creuses, je refais pas tout. Hein. Si là on meurt en game over, on s'arrête là. Hein. Je préviens hein, au cas où. Une clé. 360. Ah, on a peut-être le code. 360. Ok, le code machine. 360. Putain, je dois vraiment aller là-bas? Non, 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 non. Ah non, c'est bon, c'est des tuyaux. Je suis mort. Oh, je recommence pas les creuses, j'ai trop la flemme. Hein. J'ai trop la flemme. Il est 23h10, vas-y, je refais pas tout. Oh putain, vas-y, c'est bon. Ah, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas envie. J'ai plus la force. Oh, la fin, elle est nulle. Oh, la fin, elle pue la merde. Oh, la fin, elle est éclatée. C'est pas possible. Les crocs, je suis désolé. C'est nul ce qu'ils ont fait là. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça, les mecs? Je suis obstiné, hein, mais. C'est long quoi. C'est long de ouf. Ils abusent hein. J'ai envie d'aller au bout les crocs, je m'en fous. Même si ça dure. Attendez, mais ma santé elle. Attendez, ma santé mentale elle bouge même plus là. Attends, on s'est pris deux jumpscares, ma santé mentale elle est pleine. Et c'est quoi ce jeu? Pourquoi le jeu il m'aide là? Quoi? Mais ma barre elle bouge plus! Attendez, c'est peut-être notre chance. Oh, oh, j'ai bien fait de pas quitter. Oh, j'ai bien fait de pas quitter. Ma barre. Ah là, elle a bougé. Attendez, 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 attendez. Ma barre. On a une chance. Elle reste pleine là. Enfin, elle restait pleine. Attendez, faut peut-être que j'aille vite. Il a eu pitié. Il se passe quelque chose là. Je crois que le jeu est en train de me donner une chance. Ouais, la barre elle est bien pleine là comparée à tout à l'heure. On va profiter de cette chance. Parce que là clairement c'est un miracle. Ouais, on a peut-être une chance de finir le jeu là, je crois. Bon, elle. Elle me casse pas les couilles!
Tu penses qu'en portant moins attention au jumpscare, le truc descend moins? Ça serait ouf, ça. J'ai même l'impression que les couloirs, ils ont changé. Attendez. Il se passe des choses, là. Il y a des trucs qu'on n'a plus. Oulololo. Attendez. J'ai l'impression que le jeu essaie de me dire quelque chose là. On va retenter une dernière fois les croisins. Je crois que c'est notre chance. La barre est plutôt pas mal là. À force il t'aide sûrement, je sais pas. Soit j'ai fait bugger le jeu et que j'ai une putain de bonne étoile. Et que la bonne étoile, elle m'a aidé à... Bah elle m'a aidé, je sais pas... Saleté. Elle m'a aidé, je sais pas, mais en tout cas, là je pense qu'on a nos chances. Oh les rats ils m'ont mis middle. Les rats ils m'ont mis middle. Ok, donc là, du coup... Là, ça va être relou parce que... Hein, y'a pas la clé? Elle est où la clé? Non! Y'a pas la clé? Allez là, ok. Oulala, ça va être tendu quand même. Hein. Allez, go. Donc là, il y aura la méchante. Attention. Elle est où cette conne? Elle est là. Ouais. Oh là 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 là, ça reste tendu les crozins. Ça reste tendu, bordel. Et de 1. Aïe. Donc là le code. Ok. Je crois que je peux encore me prendre un jumpscare là. Deuxième levier. Et là, ça va être la merde. Le code 771. En fait, le code il change à chaque fois. Ok, code 771. On va aller taper le code. On va pas faire les fous. C'était où? C'était là. 771. Putain, ça a rien fait. Bon, faut que je trouve le dernier levier. Allez, go. Donc là, faut pas que je me plante. Alors, attendez. Faut que j'aille là. Ok. Il faut que j'aille... Là c'était le levier 2. Là c'était le code. Oh, il y a une clé là. Il y a une clé, ok. Bon, et eh ben c'est maintenant les crozes. Il y a un jumpscare à affronter qui est là. Ouais, elle est pas loin. Elle est là. Ok, c'est passé. Le dernier. 7. 1. Dites-moi que c'est ça. Oui. Oh ma barre, putain.
tout à faire. What? On l'a fini? Oh putain, on l'a fini. On l'a fini? Les creuses? Mais c'était quoi cette machine au sous-sol? Putain, et la fin, mais ils ont fait nimp, hein. La fin, tu comprends rien. Il y a une machine que t'actives. La poupée, au final. Ok, Linda, la poupée. Ouais, ok, en fait, on sait pas. Ça reste un putain de mystère, ce jeu. Elle est terrifiante, la poupée, hein. Bon, et eh ben c'est une fin dont je ne me souviens absolument pas, et je sais pourquoi. Parce qu'elle est éclataxe, je sais pas pourquoi il y a une machine. Waouh. Eh ben dis donc. Je me remets un peu dans la lumière. Bon, bah voilà les crocs, on a fini Pinview Drive 10 ans après. Ah, on a les vraies photos à droite, regardez la poupée, Linda. On comprend rien en fait, hein. Il y a une machine en bas au sous-sol. Peut-être qu'on remonte le temps, je sais pas. C'est bizarre comme fin, la fin est chelou. Visiblement, ta meuf est libre et toi, tu es piégé. Ouais, on a peut-être switché. En fait, j'ai pris la place de la meuf et elle a été libérée vu qu'elle court dans les bois à la fin. Bizarre, hein. En tout cas, voilà, avec Rose. J'espère que ça vous a plu, ce petit live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Il est 23h20. Je pense qu'on va on va arrêter. Du coup, prochain live, je pense que ça va être Resident Evil 4 Remake en mode hardcore. J'espère que vous serez présents, tous. Ça va être un putain de bon moment. On va surkiffer de fou. On va galérer. Ça va être trop bien. Donc, je vous attends très nombreux pour RE4, ok? Ça va être notre prochaine aventure. Bon. Quitte-moi ça. Ah. Bah c'était très cool en tout cas, j'ai bien aimé, hein, comme à l'époque. Très bon Pinview.